Enregistrement local et tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live du mercredi. Oui, parce que tous les mercredis on se trouve, il n'y a pas. On a vu hein, dans l'émission des mercredis derniers, on a pas mal de choses qui ont déjà. On a déjà ralenti la cadence, il y a pas mal de choses qu'on a arrêtées. Et pas mal de choses qui vont certainement continuer de s'arrêter. Voilà. Et mais bon, le mercredi, ça reste notre petit rendez-vous. Et encore une fois, le dimanche, si on atteint tous les 100 followers, ou le dernier dimanche du mois, mais c'est vrai qu'on est quand même à 298 followers. Ça veut dire qu'il en manque deux. Ce qui n'est pas beaucoup. Alors, pas de double compte, s'il vous plaît. Hein, voilà. Il en manque deux pour qu'on atteigne les 300 followers et que quelque part, voilà, qu'il y ait un petit live dimanche et nous fasse gagner des cadeaux, ce qui n'est totalement pas prévu. Donc il va falloir que je me sorte les doigts du. Qu'est-ce qui peut rêver de prévu? Il faut attendre. Faut attendre que nos comiques arrivent là. Ils sont pas là. Ils ont oublié hein, qu'il y avait un live mercredi. Voilà. Genre, il y a Michael et tout ça, ils sont là. Voilà, bon. Bonjour, alors bonjour à Lord Sébastien, bonjour à Shadow. Oui, ça. Ça rimait aussi, ouais. Le tutu. Chapeau pointu. En veux-tu. Bonjour à Lord Sébastien qui a complètement changé son pseudo. Bravo. Félicitations. Luc. Non, Luc. C'était bien aussi. T'as eu peur. Hein, t'as eu peur de te faire censurer. Hein, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Bonjour à tous ceux qui sont là. Alors, encore une fois. Sur Twitch, le nombre de personnes en ligne est mis à jour. En fait, c'est vraiment une moyenne. Donc là, pour l'instant, vous êtes 6. Pas mal. Bien, un petit peu. Ça se rafraîchit. Donc, on va leur laisser un peu le temps d'arriver, éventuellement de se connecter. Voilà, si c'est pas encore fait, et de mettre un petit commentaire avec un petit bonjour des familles qui fait plaisir. Et puis voilà. Bon, ce mercredi, alors je me suis longtemps posé la question, pendant au moins. 10 minutes. Est-ce que je faisais un live libre antenne où je faisais simplement que de répondre à vos questions, vos commentaires, ou est-ce que je prévoyais quand même un petit sujet de secours qui permettait de faire un titre un peu putaclic? Donc on parlera ce petit sujet putaclic de peut-on se passer de Google, que j'ai quand même travaillé quand même, hein, il y a de l'écriture quand même, tu vois, un petit peu. Et puis après on fera évidemment un mode libre antenne où, bah, par exemple, Sébastien a reçu son projecteur. Bah, écoute, nickel, oui. Après, encore une fois, je trouve, bon, il n'est pas parfait, encore une fois, ce projecteur. Il a des points forts et des points faibles. Mais, rapport à son prix, c'est-à-dire moins de 200 euros TTC, encore une fois, parce que je rappelle, il y a quand même 20% de TVA. Donc, sur 200 balles, il y a quand même 40 balles de TVA. Quand même. Pour moins, et les frais de port. Pour moins de 200 balles, on a quand même un projecteur qui marche bien. Moi, j'ai trop kiffé la sacoche. Elle était trop belle cette sacoche. Trop belle et tout, trop pratique. Et le petit écran qui, mine de rien, je veux dire, moi, je suis dans une maison où le mec, je sais pas, a tout pas en vert, les murs en vert clair, mais ça donne pas aussi bien qu'une espèce de toile tendue, comme on a pu voir avec les petits crochets et tout, où tout de suite, bah, t'as quand même un petit écran de 100 pouces, où t'as pas besoin de t'angoisser, il faut que j'achète un écran, comment je vais l'accrocher, hop, tu colles ça au mur. Et puis, on avait quand même un produit qui était sympa et qui fait le taf, et ça permet d'avoir un petit projecteur avec un petit son sympa et une petite projection jusqu'à 100 pouces quand même, ça fait déjà bien. Et moi je trouve que c'était un produit qui était très très agréable par rapport encore une fois à son prix. Et si vous le demandez par exemple, j'ai pas réussi à le mettre en wifi. Alors il se met pas en wifi, il se met uniquement en Miracast et en AirPlay. C'est ce qu'on voit peut-être pas dans la vidéo. Ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de mettre dans l'onglet Miracast, d'accord? Donc ensuite, il faut que. Donc tu mets de toute façon le Wi-Fi du projecteur, il va ouvrir une application et tout, il va te dire, attends, maintenant, le projecteur se met en routeur Wi-Fi. Tu vas sur ton téléphone, tu cherches les routeurs Wi-Fi. Donc ils sont disponibles, et tu verras le nom du projecteur. Donc tu te connectes sur le projecteur comme c'était un routeur Wi-Fi. Et ensuite, tu envoies. Le flux de ton téléphone ou de ta tablette sur le projecteur. Ou réserve que tu aies un téléphone qui soit AirPlay ou Miracast. Le problème, c'est que moi, mon téléphone, il a bien le truc de projection, mais ce n'était pas une des deux normes. Donc, ça n'a pas marché, ce que je dis dans la vidéo. Par contre, la tablette, par exemple, le iPad, lui, est bien AirPlay. Donc, lui, on le voyait bien en routeur, on se connectait dessus, et après, on mettait envoyer l'image en AirPlay. Là, ça fonctionnait. Voilà. C'était pour la petite anecdote. C'est quand même voilà, c'est vraiment comme ça, et c'est vrai que bon, c'est pour ça que ça marche ou ça marche pas. Moi, comme je mets dans la vidéo, moi je préfère les câbles. Je préfère les câbles. Au moins, tu plugs et ça fonctionne tout seul.
Bonjour à Domi et bonjour à Nono le chat, bien évidemment. Oh, il y a un petit peu de monde là. Six, six, six. Six spectateurs en ligne. C'est bien, ils sont là. Hein? Nono le chat, Domi, Sébastien, Shadow et moi. Ah, il y en a encore un ou deux qui sont masqués. Yo du 6-9, Team 6-9. Bah, bonjour à 42 GIF. Ah, bah là, c'est ça, notre sixième. Voilà. Je crois que tout le monde est là. En me comptant moi, bien évidemment, puisque je sais pas s'il me compte dans les stats. C'est déjà ça, ça fait toujours un de plus. Voilà. Je vous parlerai, si ça vous intéresse, éventuellement, si vous me posez la question, je vous parlerai des deux téléphones que j'ai reçus cette semaine. Ça tue. Ça tue. Et même celui-là, il tue sa race. Restart. Encore une mise à jour. Celui-là, il tue. Et celui-là, il tue aussi. Voilà. C'est simplement pour vous parler de ça. J'ai un planning là, j'ai un planning de fin de mois. J'ai commencé le mois tranquille en me disant ouais, j'ai pas trop de review et tout, c'est bien. Ah, 13, tant de bonheur. Ah. J'ai commencé le mois tranquille là en disant je me mets pas la pression. Ils sont tous énervés là. Ils sont tous énervés. Il va y avoir une vidéo samedi, une vidéo dimanche, une vidéo lundi, mardi rien, mercredi oui, parce que le Black Sharp il était avancé au 23. Et les micros Synco P1T avancés au 25. Oh, et j'ai l'aspirateur, enfin avant le 28. Oh, putain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 reviews à faire avant la fin du mois là. Oh, plus les petites consoles de jeux de machin, mais comme elle n'a pas payé, tout va bien. Je peux délayer au mois de mars. Alors attends, et Mia aussi, salut Greg, je suis à l'amour, on dirait, ben non Fred, écoute, ben, dès le début, je t'attendais pour les blagues et tout, mais bon, t'es arrivé un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, il est que 22h10. Il me compte, oui, Black Shark 4K, Black Shark 4, alors c'est le Black Shark, alors si vous avez vu mes photos sur Instagram, c'est pas le 4 qu'ils m'ont envoyé, c'est le 4 Pro, voilà, donc la nouvelle version, en version globale, bien évidemment, parce qu'il est déjà sorti en Chine et en Asie. Pas donné quand même, et là c'est la version globale avec tous les services et tout, et avec du MIUI Inside. Oui, il y a des services MIUI et tout dedans, malgré que ce soit leur ROM Joy Plus. Là, il y a quand même du MIUI Inside plutôt au téléphone et un son BTS X, un putain de son bien, et des petites gâchettes là. Des petites gâchettes, regarde. Tu cliques ici, là, regarde, tac, voilà, et tu mets celui-là aussi, là, regarde, tac, et t'as les gâchettes qui sortent. C'est ouf, il est ouf ce téléphone, il est vraiment bien. Simplement pour l'anecdote. Oh, merci à Mikado de s'être abonné. Oh, est-ce qu'on serait pas à 298? Non, on n'est pas à 299. Pourquoi il arrive aussi tard, hein? Tu vois, 298? Tu vois? Ah, j'ai peut-être fait une connerie là. Non, toujours 298. Bah écoute, tout va bien. J'aurais pas dû rafraîchir, tu vois. Ah, c'est la musique qui a redémarré. D'accord. Bah, je sais pas où il s'est affiché maintenant. Ah non, c'est abonné, d'accord, ok, donc Mikado, c'est abonné avec Prime. Merci mon pote, pour ce petit abonnement. Oh, 3 mois! Oui, ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors attends, coucou tout le monde, Fred. Alors attends, attendez, on est où là? Attends. Ah mais il est pas là mon, elle est pas là mon chat, tu vois? Pourquoi je fais ici? Non, j'avais un truc spécial là. Ah, il est là. Black Shark, alors tout le monde, bonjour. Ils reviennent de congé. Ah, j'ai l'impression, ouais. Il est Gen 1, non? Ou 888. Alors, le Black Shark 4 est un Snapdragon du 888. Contrairement, alors moi j'ai marqué sur le, quand j'ai fait le Antutu, il est marqué 800, non, 638, je sais pas quoi. Alors j'ai écrit, je mets, vous avez changé les plans, tu sais, comme il y a des ruptures de stock et tout. On fait, non, 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 c'est vraiment le nouveau type de processeur, il l'appelle Cryo, non, il l'appelle Cryo 680. Voilà. C'est du Cryo 680, mais c'est bien 888. Si vous avez regardé la news sur JT Geek, il y a le 8, alors il y a le Black Shark 5 qui va sortir, qui aura lui le 888 plus. Donc pas une grosse évolution, mais il y a quand même un chargeur. Pour vous donner un peu dans la boîte du Black Shark, hein. Il y a quand même dans la boîte un petit chargeur de 120 watts. Et ça fait plaisir. 120 watts de charge. Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, ce Black Shark. Il est assez intéressant. Très ciblé gaming, mais bon, après, c'est pas excessivement mon délire, mais il est pas mal. C'est son troisième mois d'abonnement. Ah d'accord, son troisième mois d'abonnement. Eh ben écoute, merci beaucoup à Mikado pour son troisième mois d'abonnement. Alors
reçoivent de Mikado. Même pas Seb, j'aurais bien voulu. c'est un sub, pas un follow. D'accord, ok, c'est pour ça que j'ai vu complètement de travers. Parce qu'on est quand même à 298 abonnés. Donc ça veut dire... Ouh, voilà, Bigood vient juste de s'abonner. Donc là, en théorie, on devrait peut-être être à 299. Tu vois? Non, pas du tout... Non, c'est encore un sub. Putain, mais je fais que dire des conneries. Changer. C'est ça, c'est abonné avec Prime. Donc merci à Bigood Game pour son Prime. Merci beaucoup. Shadow vous remettra pour ceux qui ont un compte Amazon Prime comment vous abonner. Tu es leur dernier espoir. Marrant comme nom le requin noir. Oui bah en fait Black Shark à la base c'était une marque de un peu gaming d'accessoires gaming chinois racheté par Xiaomi pour développer leur gamme un peu de produits chinois. Après, Black Shark a voulu vivre un peu de ses propres ailes et ils se sont plantés complets et ils sont revenus un peu dans l'essor de Xiaomi puisque il est sous un OS particulier mais il y a du MIUI inside, voilà. Et ça leur permet d'avoir un téléphone gaming presque Xiaomi ou vendu comme Xiaomi. Toujours 298 subs, c'est pas mal. Bah écoute, on est bien. Le Nubia il arrive quand? Ah bah écoute, le Nubia apparemment il arrive jamais. Puisque le Nubia est en lancement, apparemment tous les sites en ont parlé, le 17 février. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reçu. Et le problème, c'est qu'elle ne m'a pas écrit. Et donc le problème, c'est que bah, je risque de ne pas l'avoir, quoi. Alors soit ils font juste un espèce de présentation et la mise en vente sera, par exemple, tu sais, genre mars. Dans ce cas, ça leur laissera le temps de me l'envoyer. Mais soit elle s'est fait virer, soit elle est parvenue du jour de l'an chinois. Soit ils ont peut-être pas assez de stock, soit je suis plus dans leurs amis. Elle m'a enlevé de sa liste d'amis. Et non, pas de nouvelles de Blackmagic 7. C'était prévu, j'étais dans la mailing list et tout. Enfin, j'ai bien reçu le Doogie V20 qui est incroyable et le Nubia Black Shark 4. Et mais voilà, pas de Nubia, malheureusement, à mon grand désarroi. Oh, 22 personnes en ligne, pas mal. Bon, je voulais. Oh, merci à Diamant. Ah, Diamant. Merci. Oh putain, je peux y aller. Merci à Shadow pour les diamants. Le mec, parce qu'il est quand même 22h chez moi. Et voilà quoi. voilà. Et je suis plus dans la mouvance. J'ai fait une bonne. J'ai bien préparé ma review de mon nettoyeur d'air là. Qui nettoie le pollen, les Covid, les trains, tout. Les odeurs, tout. Putain, c'est incroyable. Avec les lampes ultraviolets et tout. C'était vraiment un truc de ouf. Bon, je vais quand même parler un peu du sujet du jour, c'est peut-on... En fait, j'ai vu un... Vous avez vu peut-être sur legeek.tv, il y avait un reportage sur le méchant Google, bien évidemment. Voilà, toujours plus méchant que méchant. Mais il parlait de Google, et c'est vrai que je me suis posé la question, c'est la question qu'il posait un peu au début du reportage, c'est peut-on se passer de Google? Ah, ben nous y voilà. Titi, il vient juste de s'abonner. Non, City, c'est abonné avec un Prime. Merci beaucoup à City de s'être abonné avec un Prime. Ça fait plaisir, un Prime de plus. Ouh, les Primes sont en train de remonter à une allure qui me fait bien plaisir. Parce qu'on avait bien baissé les Primes. On était monté beaucoup et on est redescendu. Et là, on est remonté à 14. Voilà. Donc, merci à City. Voilà. Toujours pas grec. Toujours ça. C'est bien aussi. Je prends aussi. Je préfère les subs que les abonnements de personnellement. Voilà. Et c'est vrai. Alors, il parlait du méchant Google et je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que. Peut-on. Et la question, une des questions qu'il posait, c'est peut-on se passer de Google? Et l'intérêt, c'était peut-être de. Alors, il y avait une des remarques qui disait que Google. Il y a toujours une remarque qu'on fait sur Internet, c'est Google est ton ami. Et en fait, non. Google est plutôt l'ami d'un ami. Puisque il sait qu'il connaît quelqu'un qui connaît. Voilà. Il connaît quelqu'un qui sait. C'est ça en fait. Quand tu demandes à Google, c'est pas Google, c'est tout. C'est Google est ton ami, puisqu'il connaît quelqu'un qui a la réponse à ta question. Et c'est vrai que je regardais les services Google et vous me direz, vous, dans la liste, ceux que vous utilisez, et peut-être ceux que vous n'utilisez pas, ils disaient bon, Google, c'est évidemment les moteurs de recherche. Et c'est vrai que j'aurais du mal à passer par autre chose que les moteurs de recherche Google, parce que c'est malgré tout quand même plutôt bien. C'est YouTube pour les vidéos. Alors même si là on est sur Twitch, on se sent un peu révolutionnaire, mais bon malgré tout, YouTube c'est quand même un peu devenu ma télé. Bon, ma télé n'est pas branchée au Hertzien, quoi, elle est branchée à Internet, et je regarde quasiment que YouTube. Donc bon, bah recherche, je suis cramé, YouTube a aussi Gmail. Forcément, je crois que j'ai beaucoup de mes mails qui sont sur Gmail, et je crois que beaucoup de mes mails, par exemple admin, qui est le POP et le SMTP, sont mis sur Gmail, comme ça c'est tout centralisé, et malheureusement je suis cramé. Il y a Talk dessus, ça Talk que j'utilise pas. De temps en temps, Alex m'écrit sur Talk.
Alex de Megève. De temps en temps, il m'écrit sur Talk, mais c'est vraiment que lui. Tous les autres, donc Talk, j'utilise pas. Voilà. C'est intégré la messagerie, tout comme ça. Bon, Google Maps, je suis cramé. Parce que, je veux dire, sans Google Maps, je peux même pas partir en vacances, je peux rien faire. Alors, il y a des alternatives, mais c'est vrai que, pas vous, mais moi, Google Maps, je trouve que c'est quand même bien plus pratique. Chrome. Il y avait une blague de geek qui disait à quoi sert Internet Explorer, et la blague de geek se vaut en disant Internet Explorer sert à télécharger Chrome. Alors en gros, pourquoi dans un ordinateur il y a toujours un IE, c'est pour télécharger Chrome. Voilà, c'est une blague très très geek, mais qui me plaît beaucoup. Donc Chrome, j'aime bien, même si je suis assez fan de Safari maintenant avec Mac, et avec Firefox on a de très très bons résultats aussi, donc plutôt pas mal. Ah, voir le Wi-Fi, non je suis bien en Wi-Fi 5, non non c'est bon. Tout bien. Google Drive. Alors Google Drive, je suis pas très très client du Google Drive. Vous me direz-vous en commentaire. Sauf pour Google Sheet ou pour le partage de fichiers Word Excel. Quand on fait un document et qu'on veut le partager avec quelqu'un en ligne, on pourra le modifier. C'est très 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 pratique. Alors partage, voit le, ce qu'on appelle le workspace. Et c'est vrai que, par exemple, sur n'importe quel ordinateur et tout, le fait d'ouvrir un document, tu reçois un email, un PDF ou, je sais pas un PDF, mais un Word, un Excel, le fait de pouvoir l'ouvrir directement avec Drive ou Sheet, bah c'est bien pratique, ça évite surtout d'installer soit OpenOffice, soit Word Excel sur ton ordinateur, donc ça permet vraiment d'avoir des versions en ligne qui sont plutôt pas mal, ça j'aime beaucoup. Google Actu, et je m'y mets de plus en plus, moi je l'ai sur mon téléphone, Google Actu, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs super intéressants. Je zappe, et il y a toujours plein, c'est très putaclic, hein. Par contre, Google Actu, je suis un peu cramé. Et il paraît qu'il existe Google Book, pas le mari de la chèvre, le Google Book pour les livres, alors ça je suis pas client du tout. Vous me direz si vous connaissez Google Book ou pas. Bon, après, dans la famille Google, quelque chose qu'on aurait tendance à oublier, c'est Android. Android sur les smartphones. Bon, là, moi, je suis cramé, parce que, voilà, après, de toute façon, t'as Mac ou Android. On est tous sur Android, donc on aurait du mal à vivre sans. Le Store, le Store est quand même plutôt pratique, parce qu'il y a plein d'applications. Et comment je pourrais jouer à Asphalt 9 si j'avais pas le Store? Alors, vous me dire sur Apple, il y a, mais bon, c'est l'un ou l'autre, c'est la mort ou la prison. Il parlait également d'un truc que j'utilise pas personnellement, c'est Google Shopping. Alors c'est vrai, quand on regarde dans les navigateurs Google, et ben malheureusement, dans les comparateurs de prix, ils ont tendance à mettre en avant de plus en plus Google Shopping. Et ben, on n'y pense pas, mais voilà, ça permet de comparer les prix et pour eux d'avoir un espèce de pseudo-monopole qui est pas négligeable. Il y a un des trucs qui est assez intéressant, si vous êtes par exemple comme moi webmaster des services Google, c'est AdSense et AdWords. Alors je vous rappelle, il y en a un, c'est fait pour acheter de la pub pour ton site ou pour ta chaîne YouTube. On peut ou pas en avoir besoin, hein, encore une fois, si tu es professionnel ou que tu as envie de faire la promotion, et de monétiser ton site web ou ta chaîne YouTube. Bon, si tu as une chaîne YouTube, là, tu es dedans jusqu'au cou. Mais si tu as un site web et que tu veux mettre un petit peu de AdSense sur le site, avec des mots à cliquer, des bannières et tout comme ça, bah, il est vrai que si tu veux gagner un peu de thunes avec ton site web, je vois pas ce que tu peux installer d'autre en premier. Alors, il y a plein de régies publicitaires plus ou moins dégueulasses, mais le truc d'installer du Google et tout, c'est quand même vachement pratique et ça vire sous dans le même compte et c'est plutôt pas mal. Et j'ai découvert, tiens, en regardant dans leur documentaire, que Google, c'est aussi Alphabet, voilà, nouvelle entité de chez eux. Il y a Google Venture. Un système de placement pour les startups et tout, ils investissent et tout comme ça. Ça, je connaissais pas. Et ils ont également Google Paid. Apparemment, il y a une banque aux États-Unis, carte de paiement, banque Google Pay. Ça aussi, je connaissais pas. Je savais pas qu'ils avaient leur propre système de paiement. En même temps, ça paraît un peu évident. Et voilà, on a fait un peu le tour. Bon, on parlera évidemment de leur télé, ils ont leur propre téléphone Google Pixel. Hein. On a du Google, du Pixel avec du Android dedans. Ce qui permet un peu d'avoir les seuls téléphones qui ont vraiment toutes les mises à jour et les dernières mises à jour, c'est vraiment la gamme Pixel. Même si je trouve que la gamme Pixel, c'est quand même vachement élargie et je ne suis pas convaincu que vous ayez aussi vite des mises à jour qu'avant. Avant, il y en avait un par an, maintenant, 3-4. Mais voilà un peu la galaxie Google. Et en fait, et il y a plein de couches dont j'arriverais. On pourrait se passer. Alors, moteur de recherche, on pourrait essayer Quant ou d'autres navigateurs ou DuckGoGo. Par exemple, YouTube, bon, on arrive à naviguer avec Twitch, Gmail. C'est vrai que ça, c'est de la feignasserie. Je pourrais passer éventuellement sur d'autres systèmes. Talk, j'utilise pas. Google Maps. Bon, il y a Waves, on pourrait éventuellement passer. Google Drive. Bon, il y a moyen de partager avec d'autres choses et tout, mais pour ouvrir les Word, Excel, machin et tout, c'est quand même bien pratique. On pourrait Google Actu, pareil, malheureusement.
Chrome, bah, Firefox, Internet, oui. Bon, Google, je regarde pas. Android, hein, malheureusement, j'ai pas d'alternative. Il paraît qu'il y a des téléphones sous Linux. Il y en a qui connaissent, mais je vois pas trop quoi, comment. Le store, ouais, il y a moyen de télécharger sur le truc, mais il faut un OS. Bon, Google Shopping, je m'en bats les couilles. AdSense et AdWords, je pourrais vivre sans. Alphabet, Google, après tout ce qui est Google Venture, Google Pixel et tout. Voilà. Donc voilà un peu. Alors ils expliquaient que pour le navigateur, tu peux utiliser Tor, éventuellement, c'est pas mal avec DuckGoGo, qui est pas mal et tout dessus, tout, mais. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le navigateur Brave. Il parlait de ça, qu'un navigateur qui permet de cumuler des points et de gagner des trucs. Moi je connaissais, enfin Tor, Firefox, ils en parlaient, mais je connaissais pas Brave. S'il y en a qui connaissent et qui peuvent éventuellement nous en parler s'ils l'utilisent. Ça sera avec plaisir, et surtout d'avoir un peu soit vos réactions sur est-ce que vous, quels sont vous les services de YouTube, Google que vous utilisez, ou par exemple les services Google dont vous ne pouvez quasiment pas vous passer. Genre YouTube, je pourrais pas. Et on me coupe YouTube, et plus de télé. Par exemple, et après le reste, je pourrais arriver à naviguer, mais trucs comme ça. Et quels sont ceux que, bah voilà, que tu ne pourrais pas te passer, ou que tu adores vraiment, ou pour ceux dans lesquels tu as déjà trouvé des alternatives. Vous pouvez discuter un peu avec ça dans le chat, et si vraiment vous en battez les couilles de tout ça, on parlera bien du Dougie V20 que j'ai reçu là, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est un long roman, c'est pas ça du tout. Alors, nanana, alors, attends, oula, ça va bien. Alors, c'est Abonnect Prime, alors, toujours pas de sub, plus que deux pour être 300, oui, plus que deux followers pour atteindre les 300, c'est beau, hein, ça, en théorie, je pense que. Alors même si cette vidéo ne sera uploadée sur YouTube que mardi prochain, entre-temps, on pourrait les faire avant ce dimanche, bien sûr. D'ailleurs, tu veux faire sans Google? Prends un Huawei. J'avais le P40, mais c'est un enfer. Bah oui, c'est ça. C'est bien ça. Tu nous avais spoilé en disant, ouais, non, mais moi, je passe sur Huawei, nanana. Mais c'est invivable. Enfin, j'espère que c'est invivable, mais c'est tellement une habitude et une mécanique à casser et à reprendre que je suis convaincu que la plupart on abdique, on dira ah, bah tant pis, tu sais, on dira ah, bah tant pis, comme le vaccin, enfin, non, bah tant pis, on se vaccine, mais c'est un peu ça. Mais ça, c'est dire ah, bah tant pis, on prend Google parce que mal de rien, ça. Il y a Getre, je connais pas Getre. Google utilise YouTube, Agenda, Map. J'utilise alors YouTube, c'est bon. Google Agenda, ah oui, Google Agenda aussi, ouais, c'est vrai. Pas trop, moi, pas trop. Il y a eu un moment, oui, beaucoup, et là, plus trop. Map, Gmail, j'ai un Mailo, bah ouais, aussi. Chrome, j'ai Opera, d'accord. Et Google, j'utilise Quant ou DuckGoogle. Ah, c'est ça, on est bien dans la liste aussi. Il y a Brave, un navigateur IDM Chrome, mais avec un mode discrétion. D'accord, oui, c'est ce que j'ai lu. Mais il paraît qu'il y a un mode de rémunération sur Brave. S'il y en a qui peuvent m'en dire un peu plus. Il paraît qu'il y a un mode de rémunération où. Je sais pas, c'est ce qu'il disait, que tu peux gagner de l'argent et tout. Bon, dès qu'il s'agit de gagner de l'argent, tu vois. Bon, ça ne m'a pas tant intéressé que ça, parce que je l'ai noté sur ma fiche. Ouais. Je passe à autre chose. Mais bon, peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Au moins en affiliation. Google Drive, j'utilise en Suisse Infomaniac. Alors le problème, c'est que Infomaniac, t'as un serveur chez Infomaniac, c'est un hébergeur. Donc t'as un serveur chez eux et tu uploads et tu machin. Mais est-ce que c'est aussi convivial que Drive avec la possibilité de partager des liens et des choses comme ça? Parce que Infomaniac, c'est comme OVH, mais en Suisse. D'ailleurs, je me demande si Infomaniac, ils n'étaient pas à Lyon. J'avais rencontré pendant un moment une boîte qui faisait ça. Où c'était? Je crois que c'était dans le sud. Je crois que donc j'habitais dans le sud, j'habitais vers Lyon. J'ai rencontré une boîte qui était par là, comme ça. C'était un truc d'hébergement. Et puis après, ils avaient déménagé. C'était devenu vachement gros. Il y a aussi Google Fiber. Oui, ils ont parlé dans le reportage et tout. Mais bon, pour envoyer la fibre jusque en Amérique du Sud, là-bas et tout, je voyais pas. Ou vers l'Inde et tout là-bas, je voyais pas trop le. Non, c'est pas le genre de truc que nous, on utilise. Moi, ça me touche pas. Ou alors, ça me. Ça m'en touche une sans secouer l'autre, comme dirait l'adage. Google Pay, c'est comme Alipay. D'accord, oui, c'est comme un truc de paiement. Ouais, d'accord. Ça veut dire que bah, tu payes avec leur truc et après ils te débitent un peu. Ah oui, c'est ça. Bah, en fait, ah, oui, j'ai déjà ça, moi. Parce que quand on paye dans le Play Store, c'est à peu près ça. Quand tu achètes une application dans le Play Store, ils te débitent et je crois que oui, c'est noté comme Google Pay. Donc quelque part, j'utilise déjà. Oh, je suis tellement avant-gardiste. Je ne savais pas, mais je suis tellement avant-gardiste. Mais que aux USA. D'accord, j'ai déjà acheté via Google Shopping. Tu passes par Google Pay, forcément. Oui, bah ça paraît un peu évident. Mais ça paraît un peu évident que c'est tellement
une toile d'araignée avec plein de trucs que, à mon avis, t'as du mal à t'en défaire, quoi. Je veux dire, à bout d'un moment, tu vas dire, bon, bah voilà, genre, même si, bon, t'as le Play Store, et tu dis, bon, allez, j'utilise que ça, mais je veux quand même acheter un jeu sur Play Store, t'es quand même obligé de passer par le système de paiement, et du coup, ça fait un de plus pour ton catalogue. Par Google Pay. Brave. D'accord. Brave. For the Brave. Oui, mais moi, Brave, quand tu dis Brave, ça me rappelle Honor. Et s'il y en a, qui se rappellent l'histoire de Honor? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent cette histoire de Honor? De Honor, qui était en Chine, qui décide de se lancer en France, et qui appelle GLG, parce que GLG, sa communauté, elle adore les smartphones chinois, et elle connaît déjà la marque Honor, voilà. Mais s'il y en a, qui étaient là à cette époque-là ou pas? Donc c'est pour ça que j'avais un petit goût de caca encore dans... encore un petit goût de caca. Voilà. Mais bon, après, encore une fois, c'était une belle expérience. Ça a permis d'aller à Berlin, voilà, pour le lancement de la marque Honor. Donc Google est vraiment pas mal. J'utilise plus Google pour mes recherches. D'accord. Oui, il paraît hein, que c'est pas mal. Bah, surtout, alors, est-ce que vous utilisez DuckGoGo dans le cadre de votre navigation classique ou plutôt dans le cadre de Tor? Ou à raison. Où vous lancez Tor, plein de VPN, plein de machins et tout, et dans ce cas, vous naviguez automatiquement avec DuckGoGo, où c'est vraiment devenu votre navigateur préféré, et que vous avez quasiment abandonné Google dans une navigation quotidienne et régulière. J'attends vos réponses. Non, je vais lire côté... Edge avec Reward est bon aussi, bref, et surtout Firefox, Tor, oui. D'accord, donc Firefox avec Tor. Donc, Begodune. Donc Edge, ok, avec Reward, et aussi Brave, et Super Firefox, Tor, oui, ok, d'accord, très bien. Moi aussi, oui. Moi, j'ai Firefox, Safari, puisque j'utilise un Mac, et Chrome. Ça fait trois navigateurs, et des fois, quand ça permet de me connecter, par exemple, sur les chaînes YouTube, parce que le problème, c'est quand tu as une chaîne YouTube, tu es obligé de te déconnecter, machin, ça me permet d'ouvrir une chaîne YouTube avec Chrome, et d'ouvrir une chaîne YouTube avec Safari. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Il ne reconnaît pas les comptes, ça évite de me casser les ouïes. Et ça fonctionne plutôt bien. Getter. Oh, Getter en anglais. C'est un réseau social alternatif, du moins, de censure que YouTube et Sensor. D'accord, je ne connaissais pas Getter. Un réseau social, mais c'est pour les clubs curés moustaches, non? C'est ça? Parce que on a été manger avec Jean. T'es mangé avec Jean. Et Jean, il me dit, il a une chaîne YouTube et tout. Il a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, il a une chaîne YouTube. Et il me dit, oui, voilà. Il me dit, tu sais, puis je dis, ouais, il faut que j'aille cet après-midi, je vais finir la vidéo et tout. Bien, si t'as besoin de quelqu'un, je peux faire la vidéo, voilà. Tout est rigolant. J'ai dit, pourquoi? C'est pour attirer le club de l'arc-en-ciel, c'est ça? Et il a rigolé. Parce qu'il en est pas, mais bon, voilà. Il a un physique de... intéressant. Pour attirer une autre audience. Non, c'est un Claude. C'est un Claude, l'offre que j'ai. Pas de formule hébergeur. D'accord, ok. Ah, ils ont un Claude aussi chez Omaniac. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ça permet d'avoir peut-être d'autres solutions. Oui, il y a aussi. Mais bon, après, voilà. Je pense qu'il faut payer chez Infomaniac. Alors que Google Drive, on croit que c'est gratuit. Ça l'est. Mais bon, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bonjour à Jaune d'œuf. Tu vois, c'est K-Drive et c'est gratuit. 15 gigas. Ah, c'est intéressant. Je clique dessus. Peut-être fait une connerie, mais je clique dessus. Tu vois, 15 gigas drive, 20 gigas de mail, la meilleure alternative gratuite aux géants du web. Ah ouais. Ouais. Ah, pas mal. Sympa. Ah, 15 gigas, c'est pas dégueu déjà. Ok, bah écoute, merci pour ce lien, Shadow, qui servira certainement à pas mal d'autres, puisque. Ça permettrait peut-être même de faire un petit article sur JT Geek hein, pour partager avec ça, parce que c'est intéressant. 15 giga gratos et tout. Plus, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de mail, ouais. Ouais, c'est bien. En plus, c'est en Suisse et tout, là. Ça fait classe. Vas-y, Maître Capello. Explique Brave Honor. Tu es notre encyclopédie vivante. Ah, non. Je te demandais s'il y en a qui se rappelaient. Qui se rappelaient de cette histoire avec... j'ai pas dit que j'allais vous raconter encore toute l'histoire. J'ai demandé s'il y en a qui étaient là à l'époque là et ils se rappelaient. Si vous n'êtes aucun de me dit qui se rappelle et qu'il était là, je vous rappellerai l'histoire, bien évidemment. Il était une fois. J'aimerais, comment il s'appelait, Rod, Roche, Jean-Roch. Je vais vous raconter une histoire. De Gogo en navigation et en Tor avec
protocole VPN. D'accord, oui, bah c'est ça, oui, ça paraît un peu. Après, donc Google Navigation, c'est vrai que j'ai jamais trop essayé pour les moteurs de recherche et tout, mais ça se trouve, c'est très intéressant, ça fonctionne tout aussi bien. Avec peut-être un champ beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que couplé avec Tor, DuckGogo donne beaucoup plus de résultats de recherche que sans Tor. Puisqu'il a raison. Non, mais parce que voilà quoi. Encyclopédie. LOL. Encyclopédie. Oui, parce que bon, voilà, après, on peut faire des blagues, mais faut pas. C'est comme Odyssée. Ok, exact. Google, le moteur de recherche, indexe que 30% du flux internet. Ou peu prou le reste, ça s'appelle Dark Web. Un web bien moins matrixé, comme plus libre pour le moment. Alors, oui, on est d'accord, oui, c'est vrai. Donc, encore une fois, pour ceux qui découvrent un peu ça, c'est vrai que Google ne référence que les sites qui sont référençables, et souvent, même que les sites qui demandent à être référencés sur Google, parce qu'encore une fois, quand tu ouvres un site web, il faut référencer, ou alors, si par exemple, tu as un site qui met un site qui est déjà sur Google, qui met un lien vers un autre site qui ne l'est peut-être pas encore, les robots vont et vont l'indexer. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites qui ne sont pas indexés et qui ne veulent pas être indexés. Et ce qu'on appelle dans le dark web, encore une fois, même si le mot est mal choisi, puisque le dark web, il n'y a pas que du dark, hein, encore une fois. Mais le problème, c'est que pour accéder à tout ça, il vous faut notamment des points oignons. Onion, voilà, il vous faut passer par Tor, qui est un VPN qui permet d'accéder à beaucoup plus de contenu que vous ne verrez peut-être pas sur votre Google. Donc oui, forcément, il y a une mine, d'informations ou de sites web comme ça qui peuvent être dans moins bien, pas référencés par Google et pourtant référencés par d'autres moteurs de recherche. Bonjour à Tokyo Run. Tokyo Run, ah ben non, j'allais dire, est-ce que tu me follow? Vous êtes obligé de me follow. Vous n'avez plus le choix. Ça veut dire que j'ai mis... Vous pouvez pas chatter si vous me followez pas. Si tu peux m'écrire, c'est que tu me follow. Parce qu'on est à 298. Il en manque pas beaucoup là. Hein. Il en manque deux. Hein. Purée de patate. Vas-y, Pierre Castor. Bonjour à toi. Bonjour, Pierre Castor. Qui c'est? Raconte-nous. Raconte une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Pas du tout. J'ai déjà fait mon épilogue Google. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre une pub. Tiens, ça vous fera les pieds. Et où ma bouteille d'eau? La pub qui ramasse, ça y est. Je sais, ceux qui n'ont pas de pub, vous n'avez pas de pub, après, on peut avoir de la pub, pas pour tout le monde. Salut Greg, bonjour à Jeff, également. Salut le chat. Proton, pas protocole. C'est bien aussi. C'est bien aussi le protocole de Proton. Sinon, il y a Mega qui offre 50 gigas gratos. Alors le problème, c'est que Mega, voilà quoi. Mega, c'était un petit peu Mega Upload quand même, un petit peu à la base. C'était à Hong Kong, quand même. Leur plus gros serveur, c'était à Hong Kong quand même à la base. Je sais pas ce qu'il est devenu notre amigos, notre grossos amigos de chez Mega Upload. Mais il a toujours méga apparemment, mais ça me paraît beaucoup quand même en cadeau. Hein. Qu'est-ce que ça cache quand il y a trop de cadeaux? Après, les infomaniacs en Suisse, c'est pas mal. Mais après, qu'est-ce que ça cache 50 gigas. Les serveurs chinois maintenant. Conseil pas vraiment. D'accord. Bah, certainement. Maintenant, déjà, avant, tous les serveurs étaient à Hong Kong. Voilà quoi. Il devait tellement y avoir un petit peu de magouille là-dedans. Je savais pas, merci. Je n'utilise pas. Je savais qu'il existait. Je ne savais pas. Vive le relais. Les mèches pour un réseau domestique sont bien et pas trop chers. Uncharted. D'accord. Là, je vois pas du tout le sujet, mais Tar la mèche. C'est un Pokémon, non? J'ai rien compris. Plus pour un jeu. Lost Track. Ok, très bien. Kim.com va bien. Ah voilà, c'est Kim.com, c'était lui, je me rappelle. J'aimais bien à l'époque, il y avait un reportage, tout, ils avaient tout saisi chez lui et tout. C'était où vous avez fait une descente de FBI et tout. C'était la grande époque, hein, Mega Upload. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le. C'était du partage de fichiers. Mais bon, il y avait tous les trucs illégaux qui étaient sur Mega Upload et tout. Oh, c'était vraiment la porte ouverte et tout, mais ça marchait tellement bien. Puis comme les unfichier.com, les machins comme ça, tu peux prendre un abonnement payant pour télécharger encore plus vite. C'était vraiment, il était vraiment le meilleur des meilleurs. Les serveurs étaient d'enfer en plus. C'était vraiment
Pas mal. Pas mal, mais complètement illégal. Malheureusement. Comme tout ce qui est totalement pas mal. J'en parlais hier justement de Mega Upload. La bonne écope avec Downloader. C'était une autre époque. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Un petit peu là, 50 gigas, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît très généreux. Surtout pour un mec qui était là. Après, qui devait rebondir et tout. Mais sur la, déjà, sur la fin, il en parlait hein, quand il était en cavale. Mais quand il se fait choper, après, il voulait rebondir et tout là-dessus. Pourquoi pas? Kimon. J'ai Downloader. Waouh. Kimon ou Kim.com est toujours surveillé. Mais ça va bien, oui, donc il est libre. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il a méga, c'est plutôt propre, on a un abonnement et tout, mais il t'offre quand même 50 gigas pour attirer le chaland. Ça me paraît beaucoup. Ouh, je ne savais pas qu'il l'avait fait. Les réseaux mesh ou mesheurs sont l'évolution du Wi-Fi domestique venant de l'armée. Ça fonctionne bien, ceux de Asus et autres. D'accord. Sont l'évolution du Wi-Fi domestique. D'accord, ok. Oui, c'est du Wi-Fi domestique, d'accord. Donc, on est quand même passé des Google, Wi-Fi gratuit, à chercher des alternatives, et là, tu nous places le mesh, par la mèche, au milieu, comme ça, et un peu perdu. J'avais eu la fibre avec Numericab, j'étais chargé des centaines de gigas, comme un cochon. Ouais, que tu es. Mais je sais. Non, mais c'est méga upload, il y avait les petits, même les abonnements paiement, ils étaient chargés comme... Putain, c'était ouf, hein. Ils avaient vraiment des très très bons serveurs, très très bonnes connexions. Coaxial Numericab, pas de fibre. Je sais pas si peut-être Numericab sont passés à la fibre hein, aussi, hein, ils auraient pu. Est-ce qu'il a redémarré mon Dougie V20? Alors aujourd'hui, installation réussie de cette version. J'ai reçu le Dougie V20. Et je vous en parle parce que quand même, j'étais quand même assez étonné. Écran AMOLED Samsung à l'avant, d'accord. Petit écran LCD à l'arrière. Alors je sais pas pourquoi il marche pas. Ah voilà, toi regarde. Petit écran LCD avec petite heure et notification et réception d'appel, pas mal. Caméra 60 kb en pixels, vision de nuit, truc de ouf. Un MediaTek, un Dimensity 700, donc il est 5G. Il est incroyable ce téléphone, il est vraiment incroyable. Un Dimensity 700. Caméra 64, là, 8 plus 128, charge sans fil, NFC, 8 plus 256 sur ma version, mais ça tue avec le petit écran à l'arrière, comme ça, regarde. Alors moi, j'ai mis l'horloge dégueulasse, mais je crois qu'on peut le changer, fais voir. Attends, je vais essayer de trouver le truc pendant que vous faites rien. Je vais essayer de trouver, j'avais mis un autre truc, là, toi, je vais dans les paramètres, et je mets affichage arrière, voilà. Affichage arrière est toujours en style d'affichage, voilà, et je peux mettre, par exemple, celui-là. Que je trouvais beaucoup plus sympathique, Patrick. Et si je le mets comme ça, on peut pas changer du tout. C'est toujours le même. J'ai pas dû faire le bon truc, quoi. Je fais charge arrière. Tac. Appliqué. Peut-être. Ah ouais, c'était ça. Ah ouais, regarde. Ça tue, hein, quand même, hein, pour un Dougie. Écran OLED, caméra pas mal. Caméra qui filme en 2K quand même à l'arrière. Pas stabilisation, vision de nuit, angle large et tout. Et arrière en fibre de carbone, mon pote. Et résistant et tout. 299$. Vidéo tombera samedi, puisqu'il sera en vente à partir de lundi. Et très, très intéressant. Par contre, au niveau de la config et tout, ça n'a pas de stabilisation numérique ou optique quand tu filmes. C'est un peu dommage. Mais un petit en toutou à... Regarde, je vais le faire en même temps. Regarde. Non? Ah oui, peut-être que... 359 000. Très, très, très étonnant. J'ai un écran AMOLED Samsung et un petit LCD à l'arrière. Regarde. C'est étonnant pour du Dougie. Étonnant. Alors, attends. Alors, Chanoa. Oui, c'est vrai. J'appelle ça la fibre optique. Mais à l'époque, c'était ça la fibre. C'est vrai. C'est l'évolution du peer-to-peer, les formidables Napster et autres mèches. Et les autres mèches. De quoi? De Kaza et Emule? Et Donkey? Non, j'étais Donkey. Ah, puis il y avait Emule, après il y avait Donkey, après il y avait des modes et tout. C'était relou. Hein. Qui se souvient de Emule? Ah ben voilà. Non, et Donkey. C'est la version d'après. Tu parles d'un réseau mèche domestique. Perso, j'ai un réseau... à base de TP Link Deco M4, ça marche bien, j'ai rien compris.
Waouh, ton Dougie, il est pas mal, hein? Il est chialé, hein? Oui, pas trop Emule, il y a Kazaa avant, je crois. C'est ça. Kazaa, Emule, c'était Napster, après il y avait Kazaa, après c'était Emule, après c'était Edonkey. Puis après, après j'ai découvert les torrents et je m'en suis plus passé. Yes, mais Kazaa te foutait des spyware derrière. Dans... Ouais, puis des fois tu t'es chargé des dessins animés et tu tombais sur des films de cul. Alors, là, on n'y a plus de respect. Hein. Pas mal le Dougie avec l'horloge. Étonnant, hein? Et Sidor. Propre le téléphone. Et donc, il y a 2000. C'était avant Emule, Greg. Sérieux? Sérieux? Éduqué, c'était avant? Peut-être. Peut-être que je mélange un peu les pinceaux. Libouir, Nutella. Hein, je crois que j'ai vu passer ça, Nutella. Mais voilà. Pour venir à mon Dougie. Pour venir à mon Dougie. Pour de ma part, pour une marque comme Dougie, bon, c'est quand même pas la folie. Même si ça rime, je trouve le téléphone assez, assez. En plus, il est résistant. Je sais pas s'il est IP truc là. J'ai fait une. Putain, j'ai ouvert tellement de navigateurs. Non, c'est pas ça. Il était où c'est que j'avais ouvert? J'avais ouvert. Peut-être la Dougie. Alors, Dougie V20. Écran AMOLED. Charge 33 watts. Batterie 6000 mAh. Caméra 64 millions de pixels à l'arrière, caméra vision nuit 20 millions de pixels, processeur Dimensity 700, petit module LCD à l'arrière, tu vois quand tu le mets comme ça, je crois qu'il faut le mettre, voilà, faut le mettre à plat et après il s'affiche. Double 5G, 8 plus 256, arrière en fibre de carbone. Je peux marquer s'il est IP truc. Alors écran 6,43 pouces, ah et 6,43 pouces il est petit. Caméra avant 7 millions de pixels à l'arrière 64, 8 plus 20. OTG FM, alors il n'y a pas de prise jack, alors, il faut la FM, mais il doit falloir l'adaptateur à la con là. Triple caméra, Wi-Fi, oh, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, tout ça. IP68 et IP69, normes militaires, Wi-Fi 2G, 5G, Bluetooth 5, ABNAC, machin, GPS, GLONASS, BeiDou. Pas mal, hein, pas mal du tout. Hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis assez emballé, tu vois, pour 299$. Lecteur d'empreinte digitale sur le côté. J'aime bien ça, il va bien là, comme ça. Bouton SOS, puisque tous les cris, les SOS partent dans la mer. Emplacement SIM. Il mettait 3 SIM, c'est plutôt 2 SIM plus une micro SD. Hein. Ouais, tu vois. C'est double SIM plus micro SD. Pas mal, qui se déclipse comme ça. Avec le IP68, IP69 et tout. Pas mal, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Contrairement au Black Shark. Un petit qu'à la stéréo, alors j'ai mis la coque là. Alors le Black Shark, il a même le d'accord. Il y avait un petit logo qui s'affichait pendant que je faisais rien. Tu vois, si je lance Real Racing, c'est mon mode gaming ou pas? Ou pas, ouais. Bon, pendant la démo, il y avait un petit logo qui s'affichait et il y a le haut-parleur ici et le haut-parleur en bas sur le Black Shark. Donc c'est vrai que si tu l'utilises en mode gaming, toi tu développes les. Tu mets ça là, hop, tu développes le truc là, tu mets ça là. Putain. Cliquez pour la bulle pour modifier les fonctions de raccourci. Ouais, je sais. Et là, oh, putain, la vache, ça fait plein de trucs. Et donc, du coup, tu auras la stéréo à gauche et à droite avec du DTS X. Je crois que c'est un des seuls téléphones que j'ai vu qui avait le DTS X. J'arrête pas de faire des captures d'écran et il y en a avoir 10 000. Il est, je pensais que j'ai vu ça. Il est NFC. C'est que j'ai vu dans les réglages qu'il y avait le DTS machin là. Là. J'ai vu ça quelque part. Ça doit être sur la fiche produit. Ça doit être sur la fiche produit parce que là, il n'y a pas marqué que c'est DTS machin. Et dans quand je déroule les onglets, économiseur, NPD, mi-cher. Donc ça va bien le truc mi-cher. Diffusion, vibreur, NFC, point d'accès réseau. Il est stylé celui-là aussi, hein, Black Shark, quand même. Hein. Pas mal. Et petit en toutou sympathique de 700. 800. 800, 6451. Et c'est là, en fait, que j'ai paniqué un peu. C'est que le processeur, tu vois, il y a marqué. L'autofocus de faire. Non, ou pas. Ou pas. Il est un peu brillant, là. Tu vois, je peux réduire un peu la résolution, quoi. Vas-y. Ah, ben voilà, regarde. Toi, il est marqué Qualcomm Cryo 680. Donc moi, comme je suis con, j'ai dit bah c'est un 680.
Qualcomm Crio 680. Donc j'ai écrit, j'ai dit, attendez, moi la modèle que j'ai reçue, c'est pas un 888, c'est un 680. Donc peut-être que je me dis, peut-être ils ont changé de plan, tu vois. Ils se sont dit, ouais, il n'y en avait pas assez, on a mis celui-là. Puis elle me répond, ah, mais le 680, c'est le nom. Le 888 utilise 2-3 Qualcomm 680, Crio 680 plus 4 Qualcomm Crio 680, d'accord. Donc c'est bien marqué ici. Donc c'est bien 888, mais il s'appelle Crio 680. J'ai appris quelque chose en même temps. Moi, je tous mes téléphones de merde, moi, j'ai jamais de truc 888 qui s'appelle Crio 680. D'ailleurs, je crois pas que sur mon Nubia Red Magic truc là, il s'appelle Crio. Alors attends, c'est que c'est en toutou. Je sais pas si j'ai encore en toutou sur l'affaire. Enfin, le lapin, non. Oh, que se passe-t-il là? Mais qu'est-ce que se passe-t-il là? Oh, merci à Jaune 9 pour son petit Tipeee. Ah, oui, parce que vous pouvez faire des Tipeee aussi. Pas les pieds avec ça, mais vous pouvez faire des Tipeee. Ça fait ta 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 ta. Voilà, faire des diamants et tout. Revenons-en, attends, et donc, okay. Bah, ok, ça c'est bon. Pareil, Torrent, c'est le meilleur. Non, je suis très fan de Torrent. J'ai des débits de psychopathe, moi, en Torrent. Un truc, pendant de mettre avec ou sans VPN, je télécharge comme une petite cochon. C'est bien pour ça que je décharge des dessins animés. Ah, il prend l'effet inverse. Il se dit au cas où. Au cas où il soit trompé. Et donc c'était avant. Ok. Combien de chiens dans... Combien le chien dans la vitrine? Alors, concernant le Doogie, 299 euros. Non, 299 dollars. Promo, lancement lundi. Donc vous aurez la vidéo samedi. Je suis un peu en avance. Et concernant le Nubia, alors lui, il est cher. Hein. Il fait 599 euros, je crois, TTC. Ça pique un peu parce que ça pique un peu. Après, il est super pas mal et tout, encore une fois. On verra avec le son DTS, les touches amovibles, le 888, le système de refroidissement et tout ce qu'ils nous promettent, les caméras et tout. Il faut que je le teste. Encore une fois, là, malheureusement, comme ça, brut pour point, hein, j'ai fait une petite vie. J'ai fait un test, il est vachement mieux que le Doogie, mais le Doogie deux fois plus cher. Donc c'est à prendre en considération. Il a le même propre que mon Poco M3. J'ai les mêmes perfs largement suffisants pour ce qu'on fait. C'est toujours pareil, ouais. Après, ça, c'est vraiment des téléphones qui sont... Merci aux petits tipeurs. C'est vraiment des téléphones qui sont orientés gaming. Donc, ben, ils ont un meilleur refroidissement pour le gaming. Ils ont un son stéréo, tu vois. Ils ont les petites gâchettes et tout. Et c'est vrai que pour jouer aux jeux de voiture... T'as pas besoin, mais c'est vachement mieux. Pour jouer à Asphalt. Les touches fonctionnent pas, mais voilà. Je me dis que si un jour j'en ai besoin, elles sont là. Et amovibles. Autant sur le Nubia, t'as vu, les touches, elles sont en haut comme ça, et elles sont en espèce de tactile, tu vois. C'est pas mal. Mais oh, bah dis donc, il y a du Tipeee. Que sur celui-là, il est où? Là, tu vois, regarde, t'as vraiment deux petits boutons, là. Ici, et ça sort les touches, tu vois, tac, et là les touches elles sont touchables, et quand tu les refermes, tac, elles sont dedans, et là tu peux plus les actionner. Merci à Sébastien pour son petit Tipeee, merci à François pour son Tipeee, remercie à Sébastien pour son Tipeee, merci à Jaune d'œuf et merci à Matt G qui avait fait un dans la semaine comme ça, il est pas là, mais il a fait un pendant la semaine et ça a fait très plaisir. Alors j'ai vu ta vidéo sur le projecteur. Je pense que fin mars, je vais sortir la carte bleue. Alors fais attention à la promo. Regarde bien la promo, combien de temps elle dure. Parce que j'ai un code promo. J'ai dû mettre dans la description, mais je crois que le code promo est pas durée illimitée, quoi. Et quand même 40 balles, c'est beaucoup pour un truc qui faisait 238 euros moins 40 balles. Les 40 balles font la différence parce qu'à 250 balles, on commence à avoir d'autres produits qui sont peut-être plus quali, moins fournis en accessoires, notamment la sacoche et l'écran, mais peut-être un peu plus quali que à moins 40 balles. Et là, surtout TTC sur Amazon. Regarde bien la date et utilise bien mon lien d'affiliation, bien évidemment. On voit qui sur ton écran. C'est le but, c'est de teaser pour que tu attendes la review comme une petite folle. Comme une petite pucelle qui va au bal, tu dis, oh là, vivement la vidéo. Bon, elle dit pas ça. Mais bon, voilà, t'auras compris l'idée. Mais c'est quoi ce foutoir? Tu as répondu Camoulos à son explication. C'est exactement ça.
torrent, c'est la vie. 67 mégas sur la fibre. Oh, le fichier en full HD 2 minutes. Ah ouais, non, mais moi, je ne prends pas. Bon, je crois que je fais des pointes à 15, moi. C'est pour ça que j'ai une grosse connexion en upload, mais pas en download. Je fais 15 mégas, des fois, en download et tout. Putain, déjà, ça pique un peu. Hein. Les Blu-ray passent. Ouf. 67. Ouais, avec mes 30, 40, c'est... Ok. Vivement, que c'est ça chez moi. D'accord, donc on est sur la connexion. J'ai du 1 giga 100 VPN et je pète le 130 mégas. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la fête du style, j'imagine. Pendant ce temps-là, je plafonne à 3 mégas. Heureusement que j'ai deux fois 300 gigas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas mal. C'est vrai que moi, je l'ai vu quand je suis parti en vacances. Ou vous savez, j'ai une connexion 5G, mais c'est un espèce d'abonnement que tu prends à l'année. C'est-à-dire que tu payes, moi j'ai payé 1000, je suis en Thaïlande, j'ai payé 1500 bahts pendant un an et j'ai 100 gigas par mois en 5G. Mais c'est de la 5G qui est un peu limitée, tu vois. Mais bon, déjà, il y avait certains hôtels où leur Wi-Fi c'était de la merde. Putain, je me suis mis dessus, putain, les torrents, ça coulait. Comme le fleuve, voilà. Mais c'est que ça marche quand même pas mal, malgré tout. Même si les fabricants brident et tout, en fonction de tout ce que tu es prêt à payer, ça envoie quand même un petit peu du steak. Allez, jusqu'au 31 mars, je crois. C'est pour ça que je fais fin mars. Ok. Parce qu'après, tu ne pourras pas dire que des fois, c'est en quantité limitée. Tout, s'ils ont mis jusqu'à la fin mars, normalement, c'est bon. Voilà. Oui, t'inquiète, je pense à toi pour le lien, bien évidemment. C'est ça. Après, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai vu ceux qu'on a vendus, j'ai dû toucher... C'est genre 2 dollars, 2 ou 3 dollars. Allez, l'affiliation Amazon, ça fait vraiment pitié. Oh, putain, mais tu sais, tu vends un truc à 200 dollars. Tu dis, waouh, putain, ça, non, c'est 2 dollars, je crois. Oh, putain, mais ça m'a pleuré. Alors, ça va qu'on a vendu pas mal, mais bon, si j'espérais me refaire avec l'affiliation, c'est mal parti. Hein. Mais bon, après, en comptant, je fais des petits sous. Hein, des petits sous qui font des gros sous. Comment on fait un type? Alors, voilà, merci Shadow. Tipeee, tu vas sur Tipeee et voilà. Et donc, du coup, tu entendras la musique de Rocky et tu verras ton nom s'afficher juste en bas. Et quand même, ce qui est quand même plutôt pas mal. Inutile. mais moi, j'y crois pas. Non, c'est voilà, après, ça fait plaisir de voir votre nom et tout comme ça. 5G, j'ai 210 gigas avec Free Mobile. Avec un débit de... Ouais, mais voilà, tu vois, ça sert pas tout. Un Snapdragon 888, de la 5G, tout ça ne s'exploite pas. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Quand tu as une bonne connexion, que ça marche bien et que c'est assez puissant, et c'est vrai qu'on le voit même au niveau des téléphones, même si on n'a pas besoin d'un 888... Oh, merci beaucoup pour le petit tips qui vient de tomber. Je regarde le nom. Ah, c'est Sébastien. Merci Sébastien pour ce petit tips qui fait plaisir. Encore une fois, donc le deuxième, c'est Sébastien. Le troisième, d'accord, je vais proposer. Le troisième, c'est Sébastien. Et après, on réattaque François. Ok. Mais François, il a mis autant que toi en quatre fois. Voilà. Et après, on attaque Sébastien. Et je crois que notre dernier est parti. Alors, on peut remettre que j'en ai mis que 5 par ligne, c'est déjà pas mal. Donc pour revenir, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant. Et autant, pour le peu que j'en ai testé comme ça, le Dougie, qui est quand même... incroyablement séduisant d'après moi, c'est qu'ils ont vraiment fait un truc qui est je peux pas dire que c'est du jamais vu, mais je veux dire, on parle de Dougie, merde, je connais bien Dougie, j'ai bossé pour eux, voilà. Et j'aurais presque envie de rebosser pour eux quand ils sortent des téléphones comme ça. Et le téléphone, il est ouf, écran AMOLED, caméra 64, arrière film de carbone et petit écran LCD, tu vois, c'est vraiment il y a de l'innovation, il y a de la recherche, et encore une fois pour un Dougie. Et en plus, il me paye pour faire la review, parce que maintenant, je prends plus rien. Il n'y a plus de machin, t'es ma copine, 2 qui la tiennent, 3 qui la... Ouais. Maintenant, c'est... Là, ou qui t'aille, ils vont tous contacter l'utilisateur avec le MT6732, là. J'ai dit, non, c'est payant, on n'a pas d'argent, je laisse tomber. On n'en veut pas de ton téléphone. Hein. Et voilà, donc, bon, en plus, il paye, pas cher, mais il paye. Merci à Shadow. Mais ça fait quand même un téléphone qui est avec un Dimensity 700, qui est 5G, qui marche bien, qui a les bonnes caméras, pas de stabilisation numérique pour la vidéo, ça m'embête un petit peu. Mais pas mal de choses intéressantes pour, encore une fois, moins de 300$. Et pour moins de 300$, je crois que le téléphone, il est vraiment intéressant. IP 68, 69. Pour ceux qui cherchent un truc un peu résistant avec une batterie 6000 et une config qui est vraiment pas dégueulasse, je le trouve vraiment bien. Alors demain, je finis mon purificateur d'air
purificateur d'air, UV, nettoyage UV, antibactéries, antivirus, parce que vraiment, il y a vraiment antivirus, PM2.5, PM10, c'est tout. Enfin, il nettoie tout de la mort qui tue. Merci Sébastien, Sébastien et Shadow. Donc je finis le projecteur, le nettoyeur de le filtre. Air Purifier, ça s'appelle. Je finis le Air Purifier demain matin. Donc il me reste la voix et le montage, parce que j'ai fait tous les tests aujourd'hui. Et après, j'attaque le Doogie dans l'après-midi. On sera jeudi après-midi. Oh, vendredi matin, il y a un JT du Geek. Hein, pas oublié, pas que j'ai oublié de le faire. Si je commence à faire demain, vendredi, je fais les plans, samedi la voix. Et samedi, il faut qu'ils soient en ligne. Putain, parce que dimanche, il faut que je fasse le Midea, et le Midea, il me reste tous les plans à faire et tout. Oh, oh, oh. Ça va être un peu tendu du stuttering, cette histoire. Chez moi, freeze pas trop mal, 15 euros. C'est même 14 euros. Alors, chez moi, portrait bas, en plus 15 euros, les 300 gigas. Pas sûr que freeze soit aussi intéressant financièrement. Ayant même la Delta Box. Ok, 15 euros. Merci à nos derniers tipeurs qui sont Sébastien, bien évidemment. Le deuxième tipeur, c'est Sébastien, encore une fois. Et après, c'est Shadow. Et après, c'est Sébastien. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez mettre plein de petits tips. Et je pense qu'ils n'aiment pas trop Tipeee, parce que ça doit faire des frais de ouf. Non, je crois que c'est vous qui payez les frais. Mais ça permet, comme ça, d'avoir votre nom qui s'affiche et qui clignote. Clignote. Voilà. Et voilà, c'était pour en venir. Voilà, c'est pour en venir. Non, le Doogie. Attends, parce que j'ai quoi? J'ai le Doogie. Après, faut que je fasse quoi? Oh, après, faut que je fasse le Midea. Putain, faut que je fasse les Doogies demain. Faut que je fasse le test du Doogie. Et quasiment que je fasse les plans pour faire le montage vendredi. Comme ça, la vidéo pourrait être en ligne samedi. Qu'est-ce qu'on a? EZBIZ. Vendredi. Vendredi, on a la EZVIZ. On a la EZVIZ eLife qui est là. Qui est là, qui est fait. Petite caméra IP, Wi-Fi, étanche, mémoire intégrée, batterie intégrée, trop bien. Trop bien, vision de nuit et tout. Je me suis éclaté comme une petite folle derrière. Donc ça, c'est la vidéo de vendredi. Ok. Mais il faut que j'envoie le draft pour le Air Purifier parce qu'elle est énervée. Ça, j'ai bien à croire. Le Doogie V20, le 20. Non, le 19. Le 20, le Midea Essuite Plus. Et après, le 21, le Air Purifier, trop bien. Ok. Black Shark le 23 et le Synco micro sans fil Synco P1T le 25. Et avant le 28, il faut que je fasse le Pro Scénic qui est en super promotion, en précommande à 1€ d'acompte là, et après tu auras un prix d'enfer. Donc ça va certainement être le 27. Ça ferait tous les deux jours. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal comme petit rythme de fin de mois, par exemple. Tipeee, je l'ai vu passer. Un petit Tipeee façon Rocky. Elle est bien, un petit Tipeee façon Rocky. Il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bien. On est bien. On est calé au niveau des Tipeee. Vous êtes combien en ligne? 22. Pas mal. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites remarques, des petites suggestions avant de finir ce live pour les 3 minutes qui nous restent? Par exemple. Et dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puisque j'ai oublié de vous parler de l'histoire de Honor, Honor. France, enfin, c'était des Chinois, c'est pour ça que c'était parti en couille. Quand ils voulaient lancer Honor en France, elle m'avait contacté en disant ouais, votre communauté connaît bien la marque Honor et tout, parce que vous en vendez déjà depuis la Chine et tout. Et je devais devenir un peu leur ambassadeur de la marque et surtout avoir les produits et certainement et aussi de pouvoir devenir revendeur des produits Honor et tout, parce que voilà tout ça. Et puis après, au lancement, ça s'est tout de suite passé un peu différemment. De ambassadeur, en fait, on était 5 ou 6 à la même enseigne, et puis en fait, ambassadeur, non, les exclusivités, l'ambassadeur, c'était fini comme ça. Puis après, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais voir comment. Et puis après, revente, non, pas du tout, parce qu'après, ils ont signé avec Cdiscount et ils devaient les vendre en direct chez Cdiscount parce qu'il y avait du SAV. Puis après, ça s'est pas fait et tout. Et en fait, c'est tout parti en couille. Et en fait, toutes les promesses du début en disant travaille comme un chien et fais la promo de notre produit et tu seras ambassadeur et revendeur et tout, bah, tout ça, Lulu, hein, dans le cul de Lulu, bien évidemment, qui était ma femme de l'époque, bien évidemment. Je sais pas, elle m'a peut-être moins senti passer que moi, mais voilà. Et c'est quand même tout parti. Et après, je pense que l'équipe a changé, ils ont changé le truc, mais bon, c'était peut-être un petit peu emballé avec moi, et en vrai, rien ne s'est fait, et après, j'étais fâché. Voilà, simplement. Parce que tout ça, adieu vos vaches cochons, tout ça. Et cochonne, bien évidemment. N'hésitez pas à passer sur le blog. Oh, il est bien ce truc. Tu as eu quoi pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, je me suis fait plaisir avec ma main. Autre question?
Je crois que je me suis regardé un bon film de cul sur V-Jab, là. Il y avait la série complète et tout. Alors, j'ai vraiment regardé jusqu'à la fin pour savoir s'ils allaient se marier et tout, parce que bon, il s'est quand même passé des trucs un peu étonnants. Mais en fait, non. Voilà, ça a fini comme ça a commencé. Au nord, je m'en souviens, il y avait un stand à Lyon-Part-Dieu. Hein, c'était bien avant ça. Hein. C'est tout au début quand la marque voulait se lancer en France et tout. Hein. C'était pas encore là. Dans le baba papa. Ou dans la barba papa. C'est tout. Tout pris. Tout. Et il me restait des bouts de morceaux comme ça là. Parce que je leur avais bien fait plaisir. Il me restait des petits bouts de grumeaux là. Tu vois. J'en peux plus. J'étais pas vrai. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème, c'est que voilà, c'est que vous regardez ça d'un œil oisif et passif, et tout peut arriver à n'importe quel moment. Merci à Sébastien pour ce dernier tips. Sébastien, est-ce qu'il a les 5? Non, et Shadow. C'est pas mal, ça fait plaisir. Désolé, je t'ai pris au dépourvu. Tout peut arriver. Tout peut arriver, on est sans filtre. Twitch est assez. Non, bon, sur YouTube, on aurait le droit de dire les mêmes bêtises. C'est pas très très grave. Voilà. Dans la. Ouais, après, toutes les. Après, le problème, c'est que ouais, je suis peut-être pas obligé de surenchérir non plus sur toutes les plaisanteries douteuses et les jeux de mots vaseux, bien évidemment. Bon. Bon, mais ça fait déjà une heure, les enfants. Bon, bah, j'espère que vous aurez pris beaucoup le plaisir avec ce live, encore une fois. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on a passé, encore une fois, un très bon moment, puisque tout peut arriver pendant ce live, et c'est ça qui est bon. Bon, on en a parlé un peu de Google, on en a parlé un peu des téléphones, comme ça. On aurait un bon moment. Le but, c'est de trouver un titre un petit peu accrocheur pour, quand je la mets sur YouTube, peut-être un petit peu racolage et racoleur, et un petit peu beach to click, bien évidemment, puisque... Puisque les vidéos marchent bien en fait. J'ai fait 2500 vues sur je quitte YouTube là malin. Et la vidéo n'arrête pas parce que chaque fois que je rafraîchis, on a des vues en plus. Donc la vidéo est en train de prendre un petit peu. Et voilà, ça permettra de mettre la vidéo de mardi comme il n'y a pas JT du Geek. Prochain rendez-vous pour nous, c'est vendredi matin pour le JT du Geek de vendredi. Je vous parlerai de toutes les films et séries télé que j'ai regardées, dont certaines que j'ai pas encore finies sur Netflix, qui sont bah, plutôt des bonnes surprises que j'ai regardées. Ouais, c'est un peu en mode gossip, l'autre connasse là, Inventing Anna. Je dis, ouais, bof. Et en fait, c'est trop génial. Et je fais tout, parce que hier, je parle du temps, parce qu'il y avait, Snowpiercer, aujourd'hui il y avait Million, et en fait, il me reste les deux épisodes de Raised by the Wolf que j'ai pas pu parce que ça marchait, il marchait pas, parce qu'en fait, le site. Au X-Torrent, ils ont changé de truc pour que tu puisses cliquer et tout. Enfin, je suis débordé. Plus les reviews, plus tout ça. Voilà. J'ai regardé Richer, pas mal du tout. Alors, je l'ai trouvé sur internet, mais c'est en format 4 tiers tout dégueulasse. J'ai pas eu le courage. Voilà. Donc, j'attendrai un peu de voir si je peux retrouver un autre lien sur Prime Video. J'ai pas ça, moi. Moi, je prends les Prime sur Twitch, mais je n'ai pas Prime Video. Voilà. Mais je l'ai trouvé sur internet, mais elle est en 4 tiers dégueulasse et ça m'a pas motivé. J'attendrai peut-être s'il y a un autre lien. Je suis preneur en torrent, bien évidemment. Voilà. Bon, merci pour les Tipeee. Merci à Sébastien, Shadow et je m'en rappelle plus qui. Merci pour les diamants. Merci pour les Prime, ceux qui se sont abonnés. Si vous regardez cette émission en replay, vous pouvez me follow, je vous rappelle. Si on fait les deux pauvres followers qu'il me manque, il y aura un live dimanche. Et dans ce live dimanche, je vous ferai gagner des cadeaux. Notamment, bah, il me reste des batteries externes à vous faire gagner. Et comme je n'ai rien prévu d'autre et que je n'ai pas eu de réponse de Imu ni de Goldorak, qui n'a pas réussi à faire sa commande, mais qu'on a qui devra refaire une pour que je l'envoie à Imu pour savoir si je peux avoir des trucs et tout. Bon, on verra ça ultérieurement. Au pire, il y aura une batterie externe et deux chèques cadeaux Amazon, puisque ça, c'est facile à faire. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Toutes et tous, une bonne soirée et une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous vendredi matin pour le JT du Geek. Bye bye.